j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez aux USA, donc comme vous voyez derrière moi un bateau à vapeur, un pont en fer et des hautes tours, on est bien devant Cincinnati. Je suis actuellement sur le Kentucky, derrière moi c'est l'Ohio River et juste derrière Cincinnati, donc on est vraiment sur deux états avec un seul pont qui crée la limite. Derrière moi un très joli parc, etc, etc. Et je suis ici en fait pour trouver une Earth Cache pour laquelle il faut calculer simplement la distance de déplacement des objets dans l'eau, donc à combien d'objets par seconde, quelle distance par seconde l'objet parcourt. Voilà, donc je vais continuer à avancer un petit peu dans le Kentucky et je vous partage ça tout de suite. Je suis maintenant dans le cœur de ville en fait, où il y a cette cloche. Et cette cloche, qu'est-ce que c'est? C'est une cache virtuelle. Alors les caches virtuelles, vous le savez, c'est les caches où il n'y a pas de cache physique. C'est juste une chose à découvrir. Souvent on demande de faire une photo, etc. Donc je suis allé faire ma petite photo au pied de la cloche. Et il y a juste à côté de moi, ici dans le buisson, une petite cache traditionnelle que je vais laisser faire, parce qu'il y a beaucoup de géocacheurs autour de moi. On est à peu près une cinquantaine dans le lieu. Donc le but est de laisser tous les géocacheurs trouver la cache sans les déranger. Voilà, allez, on continue le trip. Mais comme vous voyez, il y a énormément de géocacheurs, on est plus de 5000 sur la zone. Donc je vais me chercher un petit café. Donc là, je vous avoue que c'est un peu une vidéo faite un peu en speed. C'est cœur de ville, il y a énormément de géocacheurs. J'essaye d'en faire un maximum, de découvrir un maximum de la ville avant de partir. Voilà, donc on va aller chercher un petit café, ça permet de faire de la monnaie pour payer le parking et pas se faire enlever la voiture. Voilà, et je vous laisse avec, vous voyez, la petite cloche en fond. Là, il y a plein de gens, là, vous voyez. Et tout ça, ce sont des géocacheurs. Je suis allé faire une traditionnelle tout à l'heure, je ne l'ai pas filmée. Mais voilà, il y a tous les gens qui sont derrière et qui sont en train de chercher la traditionnelle. Il y a des géocacheurs absolument partout, vous l'avez vu sur la virtuelle. Et on s'est retrouvé à un moment, j'ai arrêté de filmer, je suis allé chercher mon café. Et pendant le café, il y avait, je sais pas, 15-20 personnes avec des TB sur les sacs à dos, etc. C'est un truc de dingue. Vraiment un truc de dingue. Donc voilà, donc les bateaux à vapeur que vous voyez, etc. C'est plutôt joli. Les Earth Caches sont plutôt simples. Celle-ci, il suffit d'observer un peu il y a toujours des objets qui flottent dans l'eau. J'ai mesuré quelques pas sur le parking en fait en comptant la largeur d'une place de parking. Et puis j'ai laissé dériver mon objet de là par exemple à là en 10 secondes. Et puis après j'ai fait mon petit calcul, je vous donne bien sûr pas la réponse. Et puis ce que vous entendez chanter, c'est tout simplement des oies ou des canards, je sais pas, en gros le dira un peu mieux que moi. Et puis voilà les amis, je vais finir mon gros café noir. La dame elle m'a dit un café strong and black. J'ai dit ouais, au plus strong que tu veux, c'est de la pisse. Donc voilà, on se retrouve très très vite. Pourquoi pas de l'autre côté, ce serait pas mal ça, hein?